Bienvenue dans la capsule Mindset. Je voulais développer avec toi un vrai sujet. La peur. Est-ce que tu réalises l'impact de la peur sur l'ensemble de la réalisation de ta vie? Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Let's go. La peur a flingué plus de rêves que l'échec. C'est le pire ennemi de ta vie. Alors qu'est-ce que c'est que la peur? C'est une projection du mental d'un futur. Et par définition, tu le sais, le futur n'existe pas. Tu raisonnes avec ton cerveau reptilien, celui qui au début de l'humanité s'est construit dans un milieu hostile. Effectivement, à l'époque, je pense que c'était nécessaire d'avoir peur. Ça sauvait des vies. Même si on a évolué, c'est ancré et on conserve cette propension à avoir peur. Est-ce que tu réalises l'impact de la peur sur l'ensemble de la réalisation de ta vie? Alors comment lutter contre la peur? En développant la confiance en soi. Qu'est-ce que la peur et la confiance ont en commun? Tous les deux conduisent vers quelque chose que nous ne voyons pas encore. Toutes les réalisations de ta vie se jouent en premier au niveau de ta psychologie. Alors, comment activer cette confiance en soi? L'action. Passer à l'action. Aussi petite soit-elle, chaque jour, faire des actions inconfortables vont t'aider à grandir, à agrandir ta zone connue, ou ta zone de confort, puisque c'est le terme à la mode. Ensuite, tu as la foi. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la foi? La foi dans ta capacité à réussir. Si tu crois dans ton projet, si tu crois dans ta démarche, peu importe le regard des gens, peu importe ce que pensent les gens, tu vas y aller. Retiens que les pensées que tu as vont devenir la réalité de ta vie. Imagine si tu refuses d'écouter cette voix qui fabrique un futur qui n'existe pas. Si tu transcendes la peur par des actions et par la foi, ou plus simplement la confiance en toi. Comment tout va changer dans ta vie? Je vais terminer par une petite astuce pour t'aider. Il existe un moyen simple pour canaliser la peur, la panique et l'anxiété. Il suffit de ramener ton mental dans le présent. Et pour ça, il suffit simplement de te concentrer sur ta respiration. Au final, c'est très simple. Respire profondément, respire par le ventre, tu le fais pendant quelques minutes et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Tu vas te rendre compte juste après que la peur, la panique aura complètement diminué. Tu auras repris le contrôle du mental qui t'emmène, sans que tu te rends compte, vers un futur qu'il crée de toutes pièces. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.